Bonjour YouTube, on a activé le sonar. C'est toi le sonar. Je l'avais déjà faite cette blague. Ouais, de toute façon elle est nulle, on s'en fout. Est-ce que je ramasserai pas encore un petit peu de ça? On en a d'avance. Pour l'intro, non, faut. Ah, par contre, pitié, pas les sangsues. Les sangsues, j'ai déjà donné. Est-ce que vous pensez que je peux trouver du nickel ici? C'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais... Hein? De qui? Ouais, on a pris quelques dégâts, mais ça devrait aller. Il ne me poursuit pas en plus. Ah, ah, attendez. Je vois des choses au sol, là. Comme ça, en plus, on va en profiter pour réparer si nécessaire. Ah, visiblement, j'ai chaud. On va peut-être plus regarder où était le dommage. Oh putain. On est barré. J'avais pas vu un truc sur les parois là? Vous êtes sérieusement en train de me dire que je suis en train de crever pour rien? D'accord. Y'a rien. Donc j'ai fumé de l'alcool. Fumé de l'alcool, excellent. Alors. Ah si, j'ai bien vu ça. Et c'est quoi ça? Ah, c'est du soufre. Zut. C'est pas ce qu'il me faut. Est-ce que je peux réparer? Là. Bonne nuit, Neytaï. Et pouf, passé. On peut prendre... En fait, il sait qu'il fait chaud, mais il s'en fout, en fait. Pas de bébête, pas de bébête. 100%. Activons le sonar. Parce que je ne sais plus où est la sortie. Si, c'était bien là. Je m'étais pas planté. Alors on va peut-être rester un petit moment hein, pour trouver du nickel. Tu fais une base là avec un générateur thermique au péchit. Bah oui. Ça c'est si on a envie de s'installer par ici, mais moi c'est pas mon but. Bah, je voudrais vraiment moi trouver plutôt le nickel. Et ça a l'air d'être assez rare. Ou alors je vois rien. Ce qui est une possibilité aussi. Hein. Ça c'est de l'uranium, donc on s'en fiche un peu. Je vais quand même me poser ici quelques secondes, voir si... si je peux trouver des choses intéressantes. Ça c'est de la magnétite. De l'or, pourquoi pas. Quartz. Diamant, or. T'as scanné, toi? Je pense. Aïe! Il me fait quoi? Non, ça va encore. Niveau dégâts, ça va encore. Non, je suis désolé, je vois pas de... De l'argent, ouais. Je vois pas de dépôt de nickel. Alors attendez, parce que bien sûr, on s'est fait coloniser. Il
on les voit bien. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on fera le tri après. Parce qu'on est d'accord que j'ai pas de nickel. Attendez. Le nickel. Minerai de nickel. Ah. Le nickel. Nanana. Ouais, mais ça nous dit pas où le trouver en fait. C'est un petit peu ça le problème. On y retourne. Alors, vu qu'on était venu par là, je pense que la sortie est de l'autre côté. Hein. Putain, mais on est super lent, mais si j'accélère, on va se prendre... Oh, ça va, 96%. Ouais, excessive noise, ouais. Putain, mais même en vitesse max, j'ai l'impression qu'on se traîne. Super. Surchauffe du moteur en plus. Surchauffe du moteur alors qu'on est dans l'eau. Ouais, mais l'eau est chaude. Alors, on a combien de bestioles? Oh là là. Mais quelle plaie! Est-ce que je repère du nickel? Est-ce qu'il faudrait pas que je remonte un petit peu? Est-ce que ça apparaîtrait? Non, ça n'apparaîtrait pas sur le sonar, on est d'accord. Ce que je rappelle qu'en haut, nous attend les ghosts dégueulasses, là, les... Qu'est-ce que c'est ça, toujours en noir? Ça me fait peur. Ok, c'est pour moi, c'était par ici qu'il y avait du nickel. Juste avant de remonter. Oh, j'en ai que deux. Incroyable. Bon, on va les laisser se faire mumuse pour l'instant. Oh, c'est des shrooms. Putain, je me disais c'est un dépôt ou un truc comme ça. Oh, c'est des mushrooms. Oh, je suis deg. Yo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nickel, allez, du nickel, c'est quoi ça? Titane. Ça c'est quoi? Ça c'est un caillou. Bravo à moi. Non mais ça c'est encore du... Voilà, du plomb, super. Ah, ça c'en est. Non, ça si. Non, du lithium. Je cherche quoi? Je cherche du nickel. Pour moi, c'était ici. Parce que si on remonte, on recroise Ghost machin. Il est où mon sous-marin? Ce serait peut-être bien de pas le perdre non plus. Voilà.
mais c'est pas là-dedans que ça se trouve. C'est à la pod 2. Mais je ne connais pas les termes. Pod 2. Je découvre le jeu, je suis encore néophyte. Capsule de survie numéro 2. Ah mais moi j'ai désactivé tout ça. Après c'est vrai qu'on peut la réactiver. Oula. Capsule de survie. Alors ça c'est les miennes. Alors ça serait où ? Ta pizza. Il est sérieux lui ? Je vais y arriver. Alors attendez, on va récupérer de l'oxygène quand même. Welcome aboard, Captain. Alors. All systems online. C'est vrai que quand je suis là, du coup. Alors. Ça serait où ? À 500 mètres de profondeur ? Ça m'étonnerait quand même. Hein. Bon, enfin bref. Quoi qu'il arrive, il faut que je remonte un petit peu. De toute façon, au pire, je peux y redescendre après. Bon, moi, c'était par ici qu'on avait retrouvé. Alors, go. C'était où le trou ? C'était là. Ah ! Les bloop bloop ! Des bloop bloop ! C'est le seul bloop bloop ? On va aller, c'est pas grave, on va le récupérer quand même. Ah mais y a pas de soucis, hein, mais je suis étonné que ça soit si peu profond, c'est-à-dire que j'en aurais raté. Non. Toi, non, crève. 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 Crève et meurs. Voilà. Jamais de la vie. Oh, je crois que... Depuis quand ça se multiplie? Ah non, d'accord. J'ai les graines, donc ça suffit, on pourra faire autant de bloop bloop qu'on veut. Formidable. Je t'ai entendu. Tactique. Alors. Ça c'est du rubis, on s'en fiche un peu. Non mais non. Non mais non mais non non. L'argent, on en aura peut-être besoin. Mais c'était pas cette couleur avant. Eh mais avant c'était toxique ça. C'est passé bleu. Bon je ramasse hein, je sais pas si ça sert mais... Alors, déjà, je suis déjà remonté si vite. Et il n'y a plus le fantôme laser, là. Enfin, fantôme laser. Le... D'accord. C'est moi où toute la nature est devenue un peu plus pacifique. Non, ça doit être moi. C'est quoi? Cuivre. Non, ça devrait aller. Ok. Les bloop bloop. Bah voilà, c'est bon, je les ai trouvés, les bloop bloop. Je suis rassuré, j'ai trouvé les bloop bloop. Car c'est dans la brume verte, dans Lost River. Putain, yeah. Et il me semblait que ça, c'était une coulée verte avant. De toute façon, notre but, c'est remonter.
Radar. Sonar, pardon. Ouais, bah c'était ici, bloup bloup. C'était vert avant. Après, indirectement, on s'en rapproche. Et vu que maintenant on a les TPI, on pourrait y revenir plus vite s'il faut. La remontée va être lente, hein, mais c'est pas grave. Le fait que c'est changé d'atmosphère, je trouve ça vraiment... sympathique, comme on dit. Ça, on avait déjà scan. Lithium. Magnétite. Bon, je prends parce que, voilà. Plomb, non. Il y a des blue blue. Lithium. Oui, arrête de tourner en rond. Ou alors, je confonds vraiment les zones. Ça, je peux en prendre un juste pour le manger. Et là, en mangeant, je me fais réinfecter. Ça serait terrible. Alors maintenant, c'est bon, on a la... On sait comment se décontaminer. La magnétite. Ok. C'est où? C'est pas où? C'est pas où? Et ça, on l'avait inspecté, ça, ou pas? C'est ça, j'étais pas... J'avais pas assez exploré par là. Enfin, où j'avais eu peur. Peur d'explorer ou pas le temps. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. Et là, elle passe dans le ventilateur de notre... Wow, comment capte. Ouais, je le fais parce qu'il l'a pas fait, je suis déçu. Allez, du coup, on continue à avancer. Je reste toujours quand même en... Pourquoi t'as pas pris la boîte à pizza? Parce qu'on était en train de on revient là de la base sous-marine complètement, on va dire, à 1900 mètres de profondeur, la dernière base où il y avait Maman Empereur, et on était en sous-marin, et là je fais le trajet de retour en fait. Et après, oui, peut-être qu'on va se redéplacer avec la boîte à pizza. Ah! Le vert, c'est ici. Le vert, c'est ici. Donc... Si le vert c'est ici, est-il solitaire? Ok, si quelqu'un a compris cette vanne, n'hésitez pas à écrire à rire et chanson, je leur prête. Ne faites... Oh, 6! Ok. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ah oui, ça douille! Ça douille! Ça douille! Ça, c'est douloureux. Alors, est-ce que je peux y aller? Pardon. Fouille dans le verre. Oui, mais est-ce que je peux y aller? Avec le... hop, hop. Attendez, on va changer de pipille déjà. Hein? Ah merde, j'ai pris la seule pile qui était à 28%, mais espèce de... 100%. Tiens, d'ailleurs, si je plaçais cette pile-là, pour éviter de la prendre. Voilà, tac. Ah!
peut-être pour ça que j'avais pas pris la pile. Cuivre et plomb, merdier. Dans merdier, il y a de l'or. Si je me... Voilà. Dans merdier, il y a de l'or. Excellent. Diamant. T3. Diamant, 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 diamant. Les diamants sont éternels. Comme d'habitude. Et lithium, c'est par là. Oui. Ah, plus la place. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, on s'en fout. Je sais même pas pourquoi j'ai pris les œufs, mais je les ai. Tiens, d'ailleurs, hop. On est content, on a tous... Mais non, c'est tout l'inverse. Vu qu'on va récolter avec ça. Ah, c'est horrible, hein. Faut jamais me regarder gérer des inventaires, moi. C'est... Oh, je garde ça sur moi, c'est bon. Allez, barrons-nous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, si je tombe sur un gisement de nickel, ça serait super nickel. Oui, alors cette blague-là, je vous l'avoue, je l'ai pas beaucoup réfléchi. Hein. On est d'accord que ça n'attaque pas la coque. Non, visiblement. Par contre, c'est moi ou c'est ultra lent? Est-ce qu'on peut trouver ne serait-ce que des gisements ou des nickel? Couverture. Argent. Non, ça c'est du... Ok, ça il s'en fout, visiblement. Non, ça c'est cuivre et moustache. Putain, c'est marrant, c'est la première fois que je galère autant pour trouver un composant. Ça, c'en est pas, si. Mais... Oh, le pawn, je vous jure. Le pawn, je vous jure, mais quelle invention de merde! Pardon. Pas du tout. Normalement, c'est pas rare. Ah, normalement, non, mais avec moi, visiblement... Hein. Ah, super nickel. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Parce que j'espère... Déjà que ça en donne plein. Et... que ça suffira. 5. On va peut-être essayer de se trouver un deuxième gisement. Mais ça devrait aller. Ah, tala, qu'est-ce que je te disais. Non, je pensais pas qu'on pouvait trouver des gisements. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Par contre, je me disais, est-ce qu'on peut faire exploser notre sous-marin avec les surchauffes de moteur? Impeccable. Allez. J'ai le droit à un remerciement ou pas? Merci. Voilà, ça répond à ta question. Je pense que les deux là vont largement suffire. Tout le stock. Là, c'est bon. On a la lumière. On a la sono. Oui, tu peux le faire couler. Ok, alors je vais pas m'amuser à le faire. Là, on a tout ce qu'il faut là où il faut. On va pouvoir remonter à la surface. Et on va faire notre fusée. Qui n'est absolument pas une représentation phallique. Merde. Je voulais gérer son inventaire, mais ça... Mais bordel de...
J'adore prendre cher. C'est bon, pas d'hostilité. Non mais non, je m'en fous. C'est où? C'est là. C'est bon, je l'ai ramassé l'autre? Oui. Et avec ça, ça devrait suffire. Et là, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'y retourne à pied? Non? Ah ah. Une fois que c'est tombé, hein. Faut la ramasser à la main. 300 mètres. Alors, pas avec mon magnifique grappin, je suis sûr. La meilleure invention du monde, hein, le grappin. Le truc qui sert à rien. Non, le pawn, vraiment, je suis pas convaincu. Je pense que un module pour griffe, pour on va dire. Pour forer nous-mêmes, aurait été nettement mieux. Ou alors, il me manque une amélioration qui rend le truc complètement viable et agréable à utiliser. Et là, c'est pas son utilité que je conteste, c'est sa maniabilité qui est assez déplorable. T'as tellement clean le jeu. Non mais c'est vrai que c'est intéressant. Je pense qu'une deuxième run, alors, peut être intéressante même si on a moins la découverte. Parce que, enfin, de toute façon, les premières fois sont toujours les meilleures. Je parle dans les jeux vidéo, hein. À vous de voir, pour le reste. Ah, quoique, le premier licenciement, ça doit pas être le meilleur. Ah non, il doit me manquer une option sur le truc pour que ça me paraisse sympa ou facile à utiliser. Parce que là, voilà, j'ai vraiment l'impression de me bloquer dans tout le merdier de la galaxie. C'est insupportable. Comment pour Captain. Oh, le petit bah oui, bah j'ai un inventaire fou. Allez. Oh, on a bien fond. Sorti. Bonjour. 68% quand même. Là, on peut les tuer. Voilà, il y en a. Il y en a deux. On peut les tuer parce qu'on n'en recroisera plus. Et ça évitera qu'ils nous siphonnent en permanence. L'autre était par derrière. Voilà. C'est ça qui bug? Bon, l'autre s'est pas recollé, on est d'accord? Oui. Formidable. Welcome aboard, Captain. Je sais pas comment est le... Alors, est-ce que c'est le 2 ou est-ce que c'est une extension? Enfin, l'autre qui est sorti, là, Beyond Zero, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais un mode multi là-dessus peut être vraiment drôle, en fait. Un capitaine, son second, etc. Les expéditions, certains qui restent à la base. Ça peut être vraiment sympa. Je sais, il y a un mode déjà qui existe, machin, non officiel, mais toléré par les créateurs, tout ça, tout ça. Et une septième run est intéressante aussi. Ah bon? Là, à ce niveau-là, c'est du speedrun, c'est putain. Parce que du coup, on sait qu'il faut ramener 7 plantes, 7 plantes, 7 plantes. Donc du coup, on les garde. Gagaga, on sait ce qu'il y a fabriqué, ce qu'il n'y a pas fabriqué. C'est un bug de texture, ça? Visiblement. Et il n'y a plus... Il n'y a plus d'hostilité. Toutes les créatures hostiles ont disparu. Disparu. Depuis qu'on a libéré maman. Ou alors c'est des bugs de texture. Je crois que le jeu a décidé de bugger.
Tu triches! Oui, mais j'ai le droit. Alors, je sais pas si c'était l'entrée ou... On va peut-être se réorienter vers le... la base. Je sais pas si c'est moi qui ai... qui a niqué le trou ou... Mais... le jeu a pas chargé, c'est pas de ma faute, hein. Je suis passé à travers les textures. C'est bien. Comment faire du fast travel? Comment j'ai fait mon compte? C'est en activant le sonar, vous croyez? Non, parce qu'on est d'accord que je suis du mauvais côté de la paroi, là. J'ai fait un OOB. Ou un OBB, selon... si vous êtes familier avec... le French Restream. Voilà. Ah non, mais par contre... Oh, la tuile de ouf, si par exemple... Par contre, il me fait pas passer sous les... S'il me refait pas passer par la surface. C'est-à-dire, s'il me bloque sous la texture, je l'ai dans le cul. Oh, me dis pas ça. Oh, je l'ai dans le cul, madame la marquise. Ou alors si je désactive le sonar. Faut que je passe entre deux textures. Oh, je vais exploser. Non ? Oh ! Oh, il est vivant ! Attendez, si je le répare en même temps... Si je le répare en même temps, il pétera pas. C'est... Pas de quoi? Mais de... Mais de quel... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? De... Ouais, ouais, le feu, ouais. Tu veux que je mette le feu? J'ai encore du feu. Comment je jette cette merde? Je peux pas. Lithium, on s'en fout. Putain, jette. Jette! Jette! Mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux pas jeter! Ouais, ouais, on va crever, ouais, ouais, super, ouais. Oui, prends l'échelle, s'il te plaît. Oh putain, la panique. Mais non, mais c'est pas celui-là qu'il nous faut, c'est celui-là. Et pourquoi 18% aussi? Oh putain, mais ce jeu... Alors...
Moi, j'avais pas demandé, hein. Moi, j'avais pas demandé à te passer sous la map, hein. Je... Moi, j'ai pas demandé à passer à travers les murs, hein. C'est vous le jeu, c'est pas moi. Oh, putain. Oh, le retour douloureux. Bon, on est revenu plus vite, mais j'en suis mort quand même. Ah, donc on ne perd rien dans l'inventaire, je croyais, hein, autant pour moi. Moi je pensais qu'on paumait des trucs dans l'inventaire, mais visiblement j'ai rien paumé. Non mais ça on va les détruire. Hein. Du coup, est-ce que je l'ai tout réparé? Non. Donc, vous l'avez compris, je ne pouvais pas jeter parce que j'étais dans mon sous-marin. Et on ne peut pas déposer des pièces dans le sous-marin, sinon à mon avis ça fait bugger le moteur graphique. Super! Et là je suis où là au juste? Je suis de retour à la maison ou vous continuez de m'emmerder? Et en fait ça a détruit ma base, c'est ça? Je suis perdu. Ah, home sweet home! Je suis arrivé. Engine powering down. Mission accomplie, capitaine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était douloureux. Un deuxième bug, hein, celui de l'extincteur là qui se multiplie mais qui a 18%. Ah, et ça en cette run, ça t'est jamais arrivé, hein? Hein? Ah non, mais sans déconner. Welcome aboard, Captain. All systems online. La biomasse. Ouais, tout va bien. Pourquoi je suis venu ici déjà? Ah oui, pour détruire les extincteurs. Grosse priorité. Bah, les couilles. On va déposer les œufs. Salut les poulpies. Tac. Et tac. L'observatoire qu'on n'a jamais fini. Putain, j'en avais ici. J'en avais ici, hein, des échantillons de merde, hein, de trucs super sympathiques. Ah mais si, j'en avais du gel. Bon bah si, ok, hein, je retire ce que je... J'avais même ça ici. Oh, j'avais la moitié des plantes à la maison. Non, je suis pas vénère. Ouais, bah du coup, on s'en fout. C'est génial. Ce que j'en ai là. C'est cool, hein. Eh bah, c'est pas grave, regardez. Oui. Bon, ça a été un petit arrêt. Hein. Bon, là, on est content. De toute façon, tiens, allez. Voilà, pour me venger... Ça, c'est fuck. Voilà, c'est détruit. C'est Kamel Walidé, c'est détruit. Hop là. Miam, 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 miam. Oui, formidable. Bon, bah retour mouvementé, mais retour quand même. C'est GG. Bah YouTube, on va se retrouver pour construire la fusée. Oui.